Oh, good major. Fuck being on some chill shit. Ghetto Style, c'est un collectif d'artistes avant tout, pas seulement de danseurs, de gens qui font leur art, on va dire, de certaines manières. Enfin, bref, voilà, et on s'est tous réunis, on va dire, pour essayer de faire des trucs communs ensemble. On a pris ce terme, on va dire, pour montrer qu'avec un nom négatif, on peut faire des choses positives. Donc voilà, tout ça, ça sort de là. En fusion concept, ben, on a essayé de faire un battle, on va dire, qui regroupait toutes les qualités de plein de battles différents et de toutes les mixer dans un concept où ben, on voit des gens qui freestyle vraiment, on va dire. Vous faites partie de l'organisation de Fusion Concept. Vous pouvez nous parler de l'événement? Pour parler du battle, je dirais que c'est peut-être le meilleur battle de l'année. Simplement parce que c'est un bon esprit, on est tous là ensemble, on apprécie vraiment de passer du temps ensemble, c'est tous les styles, donc toutes les disciplines, c'est vraiment un moment où tous les danseurs peuvent s'enrichir les uns les autres et on voit des choses incroyables qu'on voit rarement et il y a une super belle ambiance comme vous pouvez voir. Et il y a des gens qui fument la chicha aussi. Où est-ce que tu as vu ça dans un battle quoi? Il y a des jeux vidéo aussi. Et il y a des danseurs de tous les côtés du monde qui sont venus, des danseurs qu'on adore aussi. On les fans aussi. Pour la prochaine édition, comment ça va se passer? Vous savez déjà à peu près, ouais. Écoutez, en fait, on travaille beaucoup en avance et je pense que simplement pour la prochaine édition, il faudra venir et là, vous saurez. Ouais. Valuable lesson, man, I had to grow up. That's why I never asked for help. DJ, bring it back like it's on side. She had a wagon, now that's a double wide. So shorty, I'm home, she said suicide. Later on, you found out with just you and I. I'm so proud, I need some shit. Bonsoir, félicitations. Tu as remporté cette cinquième édition. Enfin, vous avez remporté cette cinquième édition de Fusion Concept. Qu'est-ce que ça fait? C'est un plaisir. Très honoré d'avoir participé à cet événement et de par la suite avoir gagné avec mon binôme Rochka, mon ami d'enfance. Et voilà quoi, très 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 fier, très content. Comment vous avez trouvé l'ambiance générale? Ça commence, forcément les événements ça commence souvent bien, ça monte. À un moment vu que les battles sont longs, ça redescend, mais ça va, on a conclu avec une belle finale. Je pense que les gens ils ont aimé, je pense que les gens ils ont apprécié. Voilà, c'est la même famille, c'est Criminals, les Twins, Rochka Ouiji, le binôme, le Quatuor. Donc au niveau de l'ambiance, l'ambiance était au rendez-vous, surtout à la finale. Bruce Ikanji, bonjour. Bonjour. Tu es jury sur ce Fusion Concept. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce concept de battle? En fait, c'est un battle qui est axé principalement sur le freestyle. Donc le freestyle, pour les non-connaisseurs, ce sont des danses libres. C'est-à-dire qu'on met des sons hip-hop, parce qu'on vient de la street dance quand même, la street dance, et les gens développent leur gestuelle. Alors ça peut être des choses qu'ils ont repris d'ailleurs, ou ça peut être leur propre gestuelle, et ils dansent en freestyle, c'est-à-dire il n'y a pas de musique, ils ne donnent pas leur musique, la musique leur est imposée, ils doivent interpréter la musique. Voilà. Moi, c'est la première fois que je viens. À chaque fois, je travaillais, je pouvais pas venir. Et je suis très content que Canon et Ghetto Style organisent ça, parce que c'est vrai que c'est une autre vision du battle. C'est pas un battle commun. Et je trouve que c'est super vivant. Donc voilà, j'aime bien les événements qui sont vivants. Et là, on a la preuve que ça bouge et que le hip-hop est encore en gestation. Donc c'est cool.
Simple, moi je suis un enfant du hip-hop et j'aime le hip-hop de A jusqu'à Z, c'est-à-dire la danse, le graffiti, la musique. Et donc là en l'occurrence c'est des questions de danse, donc pour moi c'est toujours cool d'y être. Et là j'ai aussi également un stand présent sur l'événement. Quoi. Comment vous avez trouvé cette édition de Fusion Concept? J'adore, il y a du monde, il y a de l'effervescence, il y a du talent, franchement il y a de la fraîcheur, il y en a qui ont vraiment leur style. Et j'ai beaucoup aimé YD, ça là je l'adore parce qu'on le connaît depuis longtemps mais il maîtrise. Et il y en a qui a Mufasa je crois, qui apporte leur propre univers, une gestuelle vraiment. Et de voir cette ambiance voilà, hip-hop. Accepter d'être speaker aujourd'hui à la Fusion Concept. C'est différent des autres battles parce que déjà c'est un battle freestyle, donc ça veut dire que c'est y a beaucoup de styles mélangés, c'est pas un style voilà. Et après c'est par rapport au concept en fait, c'est vraiment un truc différent des autres aussi. Et le concept il est super lourd en fait. On essaye de choisir vraiment la crème de la crème. What do you think of this edition of Fusion Concept? Fusion Concept is a genius idea. Cannon is like my brother, so anytime he needs me, I'm gonna be here. Like we just have that connection, and he's bringing all things together how they need to be, so people can understand every style of dance, but still be free. So I think it's genius. This is one of my favorite events. Mais mon cœur était quand même en face de vous, j'ai kiffé. Franchement, vous êtes polis, adorables. Mettez un maximum de bruit pour vous, c'était mortel. C'était du lourd. C'était des balades à manquer, voilà. C'est moi-même Pissolo en live en direct. Special dédicace pour So Good TV. Up on Havoc and shout out to So Good TV. C'est YG et Roska pour So Good TV. So Good TV. Yo, this is Tight Eyes, leader of Street Kingdom, creator of Crump. And I'm giving a shout out to So Good TV. They keep it raw. Thank you for having me.
Fusion Concept. What? Wesh. So Good Media.